J'ai stationné la voiture du côté de Carlet au parking parce que la route est encore bien enneigée. Et j'ai dépassé le parking de Bellevaux et puis là je suis arrivé au petit pont qui traverse le Dent Fourchu. Et ben j'arrive à un niveau où cette fois il n'y a plus de traces. Donc je suis le premier à être passé ben, depuis la dernière neige. Ça doit être hier je crois. Allez, ça roule. Une heure de montée jusqu'au parking de l'Enfourchu, où on n'est pas gêné par les touristes aujourd'hui. Je vais chausser les raquettes et puis après je vais poursuivre, je vais voir jusqu'où je monte, on verra bien. Passage très délicat sur le GR là. L'avalanche habituelle est tombée, c'est rassurant. En revanche, le passage pour traverser l'avalanche est plutôt craignos là. Donc cette année, je crois qu'il est plutôt conseillé de monter par la route d'alpage qui passe de l'autre côté du vallon. Deuxième avalanche. Un peu moins dangereuse à traverser, mais bon, faut quand même enlever les raquettes, tailler des marches. Et puis voilà, faire toute la traversée. C'est presque passé. Après, c'est plus tranquille. Sur ce sentier, une grande partie des pentes est avalancheuse. Et si jamais les pentes n'étaient pas purgées, il est fortement déconseillé d'essayer de passer. Il vaut mieux redescendre dans ce cas-là. Magnifique vue sur l'arc à l'eau. Et magnifique vue également sur le Péclos et sa face nord impressionnante. Le mont d'Armel à côté. Je rejoins enfin la route forestière ou le chemin d'alpage comme on veut, qui monte au chalet d'Orgeval. Puis ben, je redescendrai par là pour prendre le moins de risques possible. Voilà, j'ai mis 3 heures pour arriver jusque là. Les chalets d'Orgeval ne sont pas loin. Le col d'Orgeval est juste au-dessus. Là-haut, c'est la pointe de Chorionde. C'est encore bien hivernal par ici. L'arc à l'eau, le mont de la Coche, dessous c'est tout la montagne de l'encerclement, tous les mouflons qui se réfugient là l'été, ben l'hiver ils sont plutôt en bas dans les bois. Allez, je crois que je vais redescendre, hein, parce que je suis bien crevé là, le grand roc là-bas. Quelques passages exposés aussi à la descente là sur la route. Alors pour le ski de rando ça devient un peu juste, hein, par endroit il n'y a plus de neige du tout. En résumé, faut pas monter par là pour l'instant, avec toutes les avalanches c'est très dangereux. Il faut prendre la route forestière qui va vous conduire direct au chalet d'Orgeval. Alors par contre, il faut prévoir pas mal de temps parce que c'est assez long la montée et la descente de même. Allez, j'ai plus qu'à rejoindre ma voiture, j'en ai encore pour une bonne heure de descente là. Crevé, mais bon, content.